C'est vrai que quand j'en parle autour de moi, les gens ne comprennent pas forcément ce que je fais. Pourtant, je réalise quelque chose. En fait, c'était un monde qui était également fait pour moi parce qu'il y avait la compétition, il y avait cette envie de gagner et de remporter des titres. Et mon personnage collait avec la façon d'être dans ce monde-là. Je m'appelle Florian, mais les gens me connaissent plus sous le nom de Zephyr dans le jeu. Donc on va arriver dans mon antre. Mon lieu de combat, mon lieu de vie. Avec la chaise Zephyr, la belle chaise Vitality, ça, nos sponsors nous a offert. Donc du coup, on est dans des très bonnes conditions et voilà où je passe la plupart de mon temps pour m'entraîner, pour réussir à atteindre le top niveau, quoi. The SMG 12, not an easy feat to do, as last two men up will be Walker and JJ. Walker also up there trying to go for the kill on the Zephyr. Brett gets the kill on the JJ, and Zephyr will clean things up in team fight. Rainbow Six Siege, c'est un jeu de tir tactique par équipe, en 5 contre 5. Un match, si on va au bout du bout, ça peut facilement aller jusqu'à 3 heures de jeu. C'est un enchaînement de stratégies qui vont être déployées. Énormément de choses à retenir par rapport à ce qu'on a préparé pour le match, mais également énormément de choses à retenir par rapport à ce qu'on vit dans le match. On to Rafael, Zephyr is going to be stuck inside of the 1 versus 3, sees Meru, catches him, but then Jin will get the refrag and he'll take one out, what a clutch! Le jeu c'est 40 millions de joueurs. Au sein de ces 40 millions de joueurs, il y a les 8 meilleures équipes de chaque région qui s'affrontent sous forme de championnat. Et cette compétition s'appelle la Pro League, dont Vitality fait partie. On a Bastien, alias Bibou. C'est lui qui va décider des stratégies et de l'orientation des manches pendant les rounds. On a Rafale. C'est lui qui va prendre le plus d'informations sur les rounds et qui va nous orienter également. On a Loïc, alias Bridé. C'est lui qui va entrer pour prendre des kills et pour débloquer des situations. Martin, Spark, c'est lui qui va pouvoir jongler entre les opérateurs en fonction de notre besoin pendant la stratégie. Et enfin, il y a moi, Florian, alias Zephyr, qui suis le capitaine de cette équipe. La compétition, ça a toujours été l'essence de mon personnage. Cet esprit compétitif et cette envie de gagner, ça remonte à très longtemps en fait. C'est pas depuis que je rentre dans l'e-sport ou depuis mes dernières années de football, non, ça date au-delà de ça. L'important, c'est de tout donner. Pour moi, il faut avoir un but, un objectif pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça qu'on se fixe ses rêves. Et moi, je suis content des choix que j'ai faits, en tout cas, j'ai pas de regrets. Je joue pas Rainbow Six juste pour la beauté du jeu, mais également pour ce que ça comprend en termes compétitifs et les compétitions prestigieuses, et jouer dans des stades, jouer devant la foule, enfin jouer des matchs sensationnels. Je joue pour ça, et du coup, pour jouer ces matchs-là, il faut atteindre les phases finales de Pro League. Je suis passé professionnel chez Vitality en mars 2018, mais si je reviens un mois ou deux mois avant le mois de février, novembre-décembre, j'étais loin de m'imaginer que j'allais être joueur professionnel. Ça arrive, vite. Où ça?
Alors mes coéquipiers, bah, je les ai rencontrés grâce à Rainbow Six Siege. Hein. J'ai Bibou qui est venu me voir, m'a demandé, voilà, on a un joueur qui compte arrêter, est-ce que tu peux venir tester avec nous, tout ça. J'ai testé avec eux, donc à l'époque, il y avait que Rafale et Bibou dans l'équipe. Et bah, ça a tout de suite collé. Moi, je suis arrivé là-dedans, c'était des jeunes par rapport à moi, avec un caractère très spécial. Et puis au fur et à mesure, bah, moi j'ai commencé à dire, voilà, donner mon avis, ils m'ont écouté, ils savaient ce que j'avais fait avec mon équipe, je leur donnais des conseils et puis on a avancé, ils ont toujours été à l'écoute de ce que je leur disais. Team Vitality, c'est une équipe e-sport, on l'a fondée en 2013, ça va faire bientôt 5 ans, même d'ailleurs ça fait 5 ans. Aujourd'hui, en l'espace de 5 ans, on est devenu l'équipe numéro 1 en France, quasiment sur toutes les métriques. Aujourd'hui, on essaie d'incarner à la fois l'excellence et la proximité. Le but, c'était pas de prendre une équipe qui performait déjà, c'était de prendre une équipe qui avait le potentiel et de les amener un petit peu plus loin. Et je pense que c'est ça qui est assez intéressant dans cette collaboration. Et c'est vraiment le mot, je pense, collaboration. C'est cette envie, justement, d'écrire et de grandir ensemble. Et aujourd'hui, voilà, on est au carrefour de ça. Carrefour des opportunités, de savoir si effectivement ils ont progressé et si on y est pour quelque chose. On leur donne des moyens, je pense, auxquels ils n'avaient pas accès auparavant. Ils ont des analystes, ils ont un coach. On a vraiment essayé d'étoffer le staff autour d'eux pour leur donner un maximum de moyens et d'outils pour qu'ils puissent justement franchir un cap. Je pense qu'aujourd'hui, on a une équipe qui a vraiment un potentiel pour être une des toutes meilleures en Europe, voire la meilleure en Europe. Bonjour à tous, en route pour Austin, on est avec Bridé et Rafale, Austin, Texas, on va découvrir ça ensemble, c'est parti. La DreamHack Austin, c'est notre premier tournoi international sous les couleurs de Vitality. On va arriver sur le champ de Rainbow Six, ça va être lourd. Il va falloir rester solide, pas s'embrouiller, d'accord? Bien s'adapter, comme là sur les attaques, on a plus de montagne, qu'est-ce qu'on fait? On a montagne, qu'est-ce qu'on fait, d'accord? Bien cool, bien répété avant les checks, que tout le monde ait compris. Et derrière, on y va, on push. On a survolé notre pool, on fait 2 victoires assez faciles. Et on enchaîne avec les quarts de finale où on a affronté Vil Geniuses. Ils sortent d'une pool où ils terminent deuxième. Il y a une surprise et au final, on tombe en quart de finale contre eux. Ça fait un gros match, une grosse affiche. Bridé will land the headshot, he'll spot the second and the Jaeger, and Bridé will get the second kill. It's a 1v1, but Necrox. But Bridé turns around, what are you doing? Necrox will clutch the round. Up for Evil Geniuses. Sparks as they'll go in for the plant, 2v3, can they stick it? BC, no, he will not, and not enough time. Vitality, as you see the play in the back, they'll make it happen. Young and EG will get the kill. Pourquoi on crie tout le temps? La com, on l'a entendu, la pause. Tu l'as entendu quand elle posait? Quand elle a posé? Parce que ça crie. Moi, je parce qu'il y a plein de smoke, parce qu'il y a plein de trucs. Pourquoi tout le monde crie sur com? Elle est bleue, il y en a une autre. Ça pose tout ça. Moi, j'avais même pas compris que la il a tellement parlé et tout. J'avais même pas compris que la Ivana était dans le scam. Que j'ai fait à peu près j'ai fait 8-10 ans ici dans ce stade. Donc ça remonte pas mal de souvenirs. C'est vrai qu'aujourd'hui ça me manque le football. On a fait une saison magnifique, on a tout niqué, ouais, on a tout niqué.
On s'était qualifié pour le plus grand championnat national de France et c'était un championnat dans lequel on allait jouer que des centres de formation et voyager un petit peu. Et ça allait être une saison en or où il y avait la possibilité de percer parce que sur ces matchs-là, quand on affronte des centres de formation, il y a toujours des recruteurs au bord du terrain. Malheureusement, il y a eu pas mal de problèmes au sein du club. Et on nous a dit, finalement, on va pas pouvoir participer à ce championnat. Et mon père, il nous a suivis. Ouais, il était tout le temps derrière moi. Et puis cette année-là aussi, ça allait être une belle année pour lui parce que il était dirigeant et puis il allait nous suivre sur des gros matchs. Il était content. Malheureusement, ça n'a pas marché. Cette année-là, ça a été une fracture en fait. Je prends plus de plaisir, j'ai même plus envie de venir à l'entraînement. Des fois, il y a des entraînements quand c'est l'hiver, on est 6, on est 7, il n'y a plus d'intérêt. Alors que quand on était dans des compétitions importantes, tout le monde venait à l'entraînement parce que tout le monde voulait jouer, parce qu'on était dans des hautes divisions. J'ai pas de regrets pour quand j'ai arrêté. Par contre, j'ai plus de regrets quand il y a eu cette fracture. Voilà, c'est une chose que nous, on maîtrisait pas. Et malheureusement, ça nous est tombé dessus. Je jouais beaucoup aux jeux vidéo et du coup il s'est mis du coup avec moi, il aimait beaucoup ça. Après il a commencé avec un vieux jeu, ça s'appelait Time Splitter, il avait commencé à faire un peu du FPS et en compétition avec ses amis. Il avait commencé vraiment la compétition sur Rainbow Six Vegas 2 et puis voilà, après il s'est toujours mis à fond dans ce qu'il voulait faire et tout, et ça a toujours continué comme ça. On a évolué sur les premières formes de compétition qu'il y avait sur le jeu et puis au final la Pro League est vite arrivée et on a performé et du coup là je me suis dit ok. Là aujourd'hui on est à très haut niveau, il se passe des choses très intéressantes, on commence à avoir de la notoriété, des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. À partir de ce moment-là a commencé un parcours de 2 ans qui a fait que de grandir et où on a performé et on a fait des bons résultats et du coup qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. J'ai quand même trouvé du réconfort dans le jeu vidéo. J'ai retrouvé beaucoup de choses que pourquoi je faisais du football, et c'est surtout en premier lieu c'est la compétition. Là l'objectif c'est le Six Major, parce que c'est à Paris. Parce qu'il y aura le public français, parce que tout le monde nous en parle, parce que tout le monde veut nous voir gagner le Six Major à Paris devant toutes les plus grosses écuries mondiales. Pour aller au Six Major, c'est simple, on a 3 chances. Soit on remporte la Coupe de France, soit on remporte les qualifications online, et dernière possibilité, on remporte la DreamHack Valence. On vient sur ce tournoi très confiant. Voilà, on a des certitudes, on a bien travaillé. On va commencer par leurs attaques. Ils ont toujours la même compo. Termit, Buck, Ibana qui sera ban, Ying et Dokkaebi. D'accord ? C'est simple. Eux, ils drônent le top. Ils essayent de regarder un petit peu ce qui se passe. Et ils veulent venir direct après attaquer par serve et pousser, d'accord ? Vitality doit être la meilleure équipe française. Sinon pour l'adversaire. Moi j'espère qu'ils sont prêts parce que tout le monde est et puis on les attend et voilà, c'est un accord. Merci beaucoup. Elle est pour nous, d'accord ? Comme à la GA. On va aller chercher. On a peur de rien, d'accord ? On a confiance en nous. Ok les gars ? En face, il n'y a personne, d'accord ? Jusqu'à la fin, il n'y aura personne. On est meilleur qu'eux, d'accord ? On va y aller à ce putain de major, d'accord ? Il s'en sort, il se garde de Brunet, qui fait tomber Eric, la doublette de Brunet sur Spoken.
Jackson. À l'avantage d'éviter le titre, Bridé peut-être qui va tomber sous les balles de Harris. Harris qui va push, Harris qui est sous pression et qui va tomber sous les balles de Bibou. Il ne reste plus que Jack. Et à prendre, attention, oh, peut-être le Bibou, le doublé. Il ne reste plus que Jack. Jack qui se démarque de Rafale. 1v2 pour Jack. La tête énorme sur Bibou. 1v1 et c'est fait pour Spark. 1-0. Et on traverse, Spark qui fait tomber Rx. Spoken tout seul, le premier kill de Spoken sur Spark, le deuxième peut-être, et non. Vous êtes meilleur qu'eux, prouvez-le. Nous on veut cette putain de place au Major, et on va la prendre aujourd'hui. Ok les gars. Attention parce qu'il y a dans son dos et c'est Bibou qui le prend sur le côté, on ne le sort pas comme ça Bibou pour l'instant moins 3. Plutôt Bibou, oh, Bibou encore. Qui passe sur Void, il ne reste plus qu'Enemy. Enemy qui va tomber sous les balles de Spark, le perfect. Allez, let's go, on y va. 4v3, diffuseur planté, on va s'avancer doucement dans l'escar. Et le kill bien sûr qui est pris de la part de Alive. Spark, Alive. Dernier rempart au-dessus qui va revenir dans le dos. Très compliqué pour Spark qui s'expose à Reva. C'est quand même cool de reprendre le titre qui était à nous. Et quelle émotion effectivement, le cash prize, on en a parlé, 12 000 euros, on parlait du 6 majeur. Peut-être qu'on était trop confiants, on n'a jamais su les contrer et on n'a jamais réussi à conclure et à concrétiser et à remporter ce match. Des ballons, les... ah, je vais les prendre à la main celle-là. Allez les blancs, vous venez avec moi, on est prêt, on démarre de la ligne de fond, 3 2 1 go. Allez, on donne à Clarisse, elle va envoyer de l'autre côté, moi je vais m'occuper de récupérer les ballons. Allez, allez donner à Clarisse, allez prenez un ballon et vous allez le donner à Clarisse. Tiens regarde Lorraine, reste dans le cerceau, on te les envoie, tu les envoies de l'autre côté, d'accord, comme au volet, tu les tapes. Allez, vas-y, voilà, envoie. Allez, je les envoie. Ça va ? Allez. Allez, on respire, on reprend son souffle. C'est épuisant d'aller chercher les ballons, de les relancer, de se baisser, de retourner. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Notre nom, c'est l'ASLHM95, donc c'est l'Association Sport et Loisirs des Handicapés Mentaux du Val d'Oise. On essaye de recentraliser un peu les jeunes qui sont en situation de handicap mental et qui veulent faire du sport. Et du coup, là, on commence à étoffer notre effectif et c'est cool. Donc c'est des jeunes qui viennent de plus ou moins loin. Il y en a qui sont de la ville, il y en a qui sont des villes juste à côté, il y en a qui prennent le train, qui viennent d'un peu plus loin, mais qui se retrouvent là le samedi après-midi pour partager une séance de sport et kiffer autour du football. Le but, c'est qu'ils bougent et qu'ils s'amusent. C'est vraiment le but principal. On va courir un petit peu, d'accord ? Moi, j'arrive toujours pour les mauvais moments. Je vais vous faire courir. Vous avez remarqué ? Ouais, c'est ça. Je vous fais courir. Et après, on fait un peu de... Aujourd'hui, le thème de la séance, ça sera du dribble et du tir. D'accord ? Et ensuite, à la fin, on termine comme d'habitude par un petit match. Ouais. Notre première mission, c'est d'abord de les motiver et c'est d'autant plus compliqué parce que des fois, il y a les problèmes d'en dehors, familiaux, financiers, etc. Donc ce qui est bien, c'est que quand ils sont ensemble, c'est l'effet de groupe, on appelle ça, ils oublient tout. Et c'est pour ça qu'on est là depuis des 3 ans. L'esprit d'équipe, le sport, etc. Là, de 14h à 16h, ils vont oublier que... leur fils, il est malade, ou etc. Plein de problèmes. C'est tout comme nous. Hein. C'est, même dans les milieux ordinaires, quand on va aller à la salle de sport ou dans nos passions, on va oublier. Et eux, c'est pareil. Et c'est très important pour eux. Quand ils se blessent au boulot, ils m'appellent au moins. Ils peuvent nous appeler toute la semaine. Je serai pas là samedi, est-ce que c'est grave? Je serai pas là. C'est vraiment... C'est limite une famille, quoi, parce qu'il y en a qui sont là depuis 15 ans. Hein. Je connais la sauce depuis...
depuis que je suis né. Parce que ma mère est dedans, donc voilà. Il y en a, ils sont là depuis 15-20 ans, et c'est une famille pour eux ici. Vous mettez sur la ligne jaune. Vous écartez bien les uns des autres. Allez, top! Top! Allez, c'est parti! Bah moi, c'est du pur kiff, en fait. J'adore faire ce que je fais, là. Rien que d'arriver, rien que je sors, parce que là, ils étaient en train de s'entraîner dehors, rien que je passe la porte et que je les vois, qu'ils me regardent, et qui commence à sourire parce qu'il y en a un direct qui veut me chambrer ou quoi, parce que voilà, moi je suis pour Marseille, il y en a pour Paris, pour Lyon, donc direct ils veulent me chambrer, ah, voilà le Marseillais, ah, Florian et tout, et on voit qu'ils kiffent. Je crois qu'on se la coule deux, ici. Ouais. Ah ouais. Et il va falloir la gagner sa place pour les matchs. Hein. Elle m'a fait tout seul. Non. T'as pas dit qu'ils vont tous. Ouais. Il faut ce ticket pour le Six Major. Et ça passe par une victoire au qualifier online. Les premiers matchs se passent bien, on rencontre deux équipes à notre portée. Et en demi-finale, on affronte un gros morceau, I Don't Know, et il nous pose pas mal de problèmes, c'est un match serré, on s'incline 2-1. On continue dans le loser bracket, et jusqu'à affronter Empire, qui nous pose énormément de soucis, et on perd également le match, et là c'est la fin de nos espoirs dans ce tournoi. Maintenant, la dernière chance, ça reste la DreamHack Valence. Yo la compagnie. Ça va, c'est la meilleure. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ça va? T'es un petit type. T'es pas déçu, hein? Tiens, tu veux une bière avec de la chantilly? Elle a du mal à... J'aurais dû prendre des plus grands verres. C'est toujours les mêmes photos avec Cynthia. avec Laura est toujours comme ça. Genre, ouais, c'est bien ça. Dès que j'ai vu qu'il rentrait en compétition, qu'il voyageait et tout, j'ai trouvé ça super impressionnant. J'étais déjà fier de lui tout de suite. Mon oncle me suit beaucoup. C'est vrai que je lui dis à chaque fois qu'on a un match, parce que voilà, c'est vrai qu'il est à 200%. Pour lui, je suis au même niveau qu'un footballeur professionnel. Pour lui, je suis une star. Et il y a ma mère aussi qui me suit beaucoup. Et bah, c'est drôle parce que c'est vrai qu'elle m'a mis beaucoup de barrières pour me garder dans ce cadre de la vie, la scolarité, voilà, après aussi post-bac. Et moi, c'est vrai que j'ai pas tout compris au début parce que moi, j'étais à 10 milieux de ça. Je pensais plus jeu quand je me battais avec lui pour qu'il joue pas et qu'il travaille à l'école, pour qu'il ait son bac, pour qu'il ait tout ça. Plus, à l'époque, on en parlait beaucoup d'addiction. J'ai cherché à comprendre et puis j'ai compris. Et puis j'ai dit, vas-y, vide ta passion. C'est vachement impressionnant. Je suis fière de lui. Tout le monde rêve d'être à sa place, vivre d'une passion, mais c'est juste magique, quoi. Et va jusqu'où tu peux. Moi, j'attends qu'il soit là-haut, quoi. Moi, j'attends ce jour-là. De l'autre côté, j'ai mon père qui, lui, c'est... des fois, j'essaie quand même d'en parler avec lui pour lui essayer de lui dire, regarde ce que je fais, regarde, ça marche, quoi. Mais bon, je lui ai déjà envoyé des messages pour lui dire, écoute, je sais que tu veux pas en entendre parler, par contre, j'ai besoin de ton soutien. Et il m'a dit que je l'avais, donc ça, sur ce point-là, ça me va. Pour lui, le football, c'est quelque chose de vrai. L'e-sport, c'est pas quelque chose de vrai. Les craintes et les peurs, elles sont légitimes. C'est un tout nouveau secteur. C'est un sport émergent. Donc aujourd'hui, moi, je suis pas dans le jugement. Je pense que les parents, ils jouent leur rôle de parents. C'est d'être inquiet pour leur enfant, justement, de s'orienter vers une carrière qui est précaire, parce que c'est le cas aujourd'hui. Il faut pas se mentir. Aujourd'hui, un joueur professionnel, c'est une carrière qui est précaire. On ne connaît pas la limite. Aujourd'hui, on est le bêta-test, on va dire, de l'e-sport. La génération de premiers professionnels, elle est maintenant. Et on va connaître les limites véritablement dans les années qui vont suivre.
Donc je pense qu'effectivement c'est légitime, et au contraire je pense qu'ils jouent leur rôle de garde-fou, et c'est important, surtout quand on est passionné et qu'on a tendance parfois à être aveuglé par la beauté de la chose. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on ait confiance en nous. Là, ce qui peut nous arrêter, c'est nous-mêmes. C'est de se dire, se poser trop de questions et d'arriver avec la peur au ventre, la boule au ventre pour la DreamHack Valence. Si on veut et si on prétend pouvoir être Six Major, ça passe par une victoire lors de ce tournoi. On connaît notre groupe pour la DreamHack Valence, on sait qu'on peut sortir de ce groupe en tête, même s'il y a la présence de Penta, qui est la meilleure équipe mondiale à l'heure actuelle. Surprend tout le monde, l'équipe qui était imbattable a été vaincue en LAN par une équipe française. Je crois qu'on est la première équipe française à les battre en LAN. On appelle ça un match référence. C'est ensemble qu'on va gagner, c'est ensemble qu'on va aller à ce putain de Major. Let's go, les gars, c'est des monstres. En demi-finale, on apprend qu'il faut gagner ce match pour décrocher ce ticket, parce que les deux équipes dans l'autre demi-finale sont déjà qualifiées au Major de Paris. Good first kill, as that will be Ayla getting taken down. Equally on the flip side, we're going to be seeing Zephyr get the kill. Fred gets one, and that's going to be another one falling for Vitaly, all down the well, and he doesn't get it. Dans cette situation, on a nos oreilles qui sont hyper grandes ouvertes. On a notre regard qui regarde tous les détails de la salle, et tout ça dans des microsecondes. Là, à ce moment-là, Raphaël, il est devant la fenêtre, et il y a Spark à ses pieds. Et Spark lui dit gentiment, tu peux me relever, comme ça on va être 2 contre 3. Mais là, à ce moment-là, il ne devait plus rien entendre autour de lui. Il est rentré, il avait son idée en tête, et il y a cru. Et nous, on était là, vas-y, rentre, ouais, vas-y, fais ça, ouais, ok. Ouais. Et là, il le fait.
lessons on these French players. They're going to Paris on their home turf. Putain, les gars, on l'a fait, wesh. La prochaine étape avant le Six Major de Paris, c'est Berlin, un bootcamp. C'est-à-dire s'entraîner ensemble, se retrouver pour préparer ce tournoi qui arrive dans une semaine. C'est des amis qui sont devenus une famille en fait. On a l'habitude de vivre ensemble. C'est limite dès qu'on se lève, bah, on allume notre ordinateur, on allume TeamSpeak et on se connecte, on parle, on joue ensemble et puis on est quand même longtemps ensemble dans une journée. Puis après, c'est devenu, à force de jouer ensemble, on est devenus des amis parce que voilà, on se connaît bien. Et puis pourquoi une famille? C'est parce que maintenant, on a fait tellement de compétitions, on a voyagé ensemble, on a traversé l'Atlantique ensemble peut-être 4, 5, 6 fois. On a voyagé, on a partagé des moments dans les hôtels, dans les compétitions. Voilà, on se voit tout le temps. Et là, c'est vraiment devenu une relation de famille. On sait qu'il faut un côté professionnel. On est pro de toute façon, donc à partir de ce moment-là, ça veut tout dire. Mais derrière, on sait que 5 joueurs qui ne s'aiment pas ou qui ne sont pas amis ou pas, qui ne s'entendent pas déjà de base, ça ne marchera pas parce qu'il y aura toujours des tensions, que ce soit in-game ou hors-game. Donc ça, nous, on a toujours mis un accent sur ce point qui nous semble très important. Notre relation entre deux équipes a progressé vers de l'amitié et on peut tous dire maintenant que c'est... On est tous amis et qu'on peut compter les uns sur les autres, que ce soit in-game ou hors-game, que ce soit dans la vraie vie, si on a besoin d'une galère ou quoi, on sait qu'on peut tous dire et on peut compter les uns sur les autres. À l'extérieur, on est la même équipe. Il y a ceux qui prennent un peu les décisions, qui demandent l'avis du groupe, le groupe qui répond pas trop, tant qu'il n'y a pas de soucis, je dis rien, donc allez-y, faites ce que vous voulez. Vraiment les mêmes caractères que dans le game, en fait. Florian, il a besoin de sa famille, ses amis. Zéphyr, il a besoin de ses coéquipiers, et c'est ça qui est important. We'll be right back.
Depuis tout à l'heure, on croise la foule, on a vu la queue qu'il y avait dehors, on croise des personnes qu'on a jamais vues qui nous soutiennent et franchement c'est énorme. Ma famille qui est présente, mes amis, là c'est franchement des sensations que je souhaite de vivre à tout le monde. Le fait que ça soit à Paris, tout ça, voilà, on savait qu'on serait motivé pour ce tournoi, mais là c'est une motivation supplémentaire, on a tout le monde qui nous soutient. On a des étoiles dans les yeux maintenant, mais quand on va rentrer sur le terrain, il va falloir les enlever ces étoiles parce qu'il va falloir qu'on voit bien notre écran et qu'on soit bien concentré pour bien rentrer dans notre match et si on est dedans, ça devrait le faire. On a depuis un mois ouvert une association de supporters. Ça fait depuis 2016 qu'on était un groupe sur Twitter avec un groupe de 20, entre 20 et 50, aller partout en France et pourquoi pas en Europe, supporter Vitality, peu importe le jeu. Personnellement, Vitality, ça a pris une place très importante dans ma vie. Ça m'a permis de surmonter des choses. Quand on voit les échecs successifs qu'ils ont eu pour se qualifier au Major, et toujours avoir eu la force de continuer, de ne pas baisser les bras, ça force le respect et l'admiration. Et on espère faire ça dans la vie de tous les jours, si on a des projets qui échouent ou quoi. Toujours persévérer, c'est ça qui peut être inspirant. J'ai commencé à suivre la Pro League et l'e-sport en général avec Rainbow Six. Et l'équipe qui m'a tapé dans l'œil, c'était le Supremacy, donc Vitality maintenant. J'ai été scotché par Zephyr parce qu'il a vraiment fait une belle action en snipant quelqu'un avec un tout petit pixel jaune à travers un trou à drone. C'était monstrueux et il a impressionné tout le monde ce jour-là, et moi compris. Je trouve ça merveilleux de pouvoir vivre du jeu vidéo, c'est un rêve. C'est vraiment le moment pour Vitality de briller, et dans le roster Rainbow Six, c'est maintenant ou jamais, quoi. Vitality, c'est une belle histoire, ça fait partie de ces belles histoires qu'il y a dans l'e-sport en général et sur Rainbow Six en particulier. Ils sont partis, pour certains, de consoles, ils ont fait une transition que beaucoup qualifiaient d'impossible. Le respect, le fair play, la compétitivité, l'adversité, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, c'est des choses qui font qu'aujourd'hui on a une salle pleine, c'est des choses qui font qu'on aura énormément de gens qui vont être derrière Vitality et puis derrière Zephyr. Pour vous, quel est le conseil le plus important à donner à un joueur qui commence à un peu s'intéresser à tout ce qui est compétition? Voilà, je te demanderai en fait c'est quoi son objectif en fait. Parce que quand tu t'intéresses à la compétition, il faut avoir des objectifs. Salut mon fils, c'est lui qui te cherche depuis deux jours. Hein. On cherche, pas. Après, je voulais poser une question, mais je ne savais pas trop comment la formuler. Lui, il est jeune, il commence à être dans le game, mais comment il peut faire vraiment pour s'améliorer? Rainbow Six, hein, tu ne peux pas jouer tout seul, il faut avoir quelqu'un, des joueurs autour pour faire des stratégies. Quoi. C'est super. Super, merci beaucoup les gars. Nos vedettes, entre guillemets, on peut les approcher, et Vitality en particulier. Avec leurs fans, ils sont vraiment super. Donc on a fait 700 bornes pour soutenir notre équipe. Je souhaite partir dans l'e-sport et gagner une Pro League sous les couleurs Vitality. Je comprends très bien que ça le passionne, puisque moi, à son âge, j'étais pareil. C'est ce qu'il aime faire. Je pense qu'à partir de là, on peut le laisser vivre sa passion sans lui mettre des bâtons dans les roues, parce que
à son âge, si j'avais eu la même passion, j'aurais aimé qu'on me pousse et pas qu'on me freine. Actuellement midi moins 20, on joue dans un peu plus de 7 heures. Il y a deux matchs avant et franchement, l'excitation. L'excitation, on sait qu'on joue à domicile en plus, on sait qu'on a le groupe d'ultra, on va dire, qui va nous suivre et qui va être vraiment assez nombreux dans la salle et qui vont donner de la voix. Et j'ai hâte que le match commence, franchement. Voilà, après forcément, pour détendre l'atmosphère, on déconne assez. C'est une part de mon rôle, on va dire, voilà, que les joueurs soient détendus, qu'il n'y ait pas de stress ou quoi que ce soit. Et Zephyr m'appuie pas mal dessus à ce niveau-là. Je pense que c'est le jour le plus difficile. Je pense qu'au niveau des informations, on est bon. Maintenant, il faut juste que les joueurs utilisent ces informations au mieux. Team Secret, équipe qui... C'est notre bête noire quelque part, et après c'est que du positif entre guillemets, c'est que des équipes avec qui on prend du plaisir, on a eu des victoires, et là c'est le jour tendu. Depuis deux ans qu'ils jouent au jeu ensemble, ils se sont enfermés dans un style de jeu qui leur correspond tout à fait. Ils sont très forts, ils ont battu beaucoup d'équipes, ils en ont surpris plus d'une. Il y a des cartes où ce serait mieux d'éviter, et que on pourrait être vraiment mis en difficulté. Peu importe la map, fonctionne à peu près de la même façon. Donc c'est vraiment un style qui surprend, mais une fois que tu le comprends, c'est plus facile de s'adapter directement sur ce qu'ils font. Si on passe ce match-là, c'est une belle réussite déjà, même si on veut gagner ce Major. Et alors que si on perd, il y aura toujours ce petit goût amer, même si on est déjà content d'offrir là, au moins un match à nos supporters. Vous avez galéré. Le coup, pour être ici, maintenant vous y êtes, et il faut kiffer. Parce que c'est que du bonheur. Et que ce match-là, c'est une formalité pour vous, puisque vous avez le talent pour aller bien au-dessus, vous avez le talent pour décrocher avec vous. D'accord ? Donc on kiffe, les gars. Je vous aime très très fort, et je suis très très fier de vous déjà. Donc on va faire ça. La phrase qui pourrait résumer toute cette aventure, je pense que c'est le. Et même ça serait même un mot, je pense, ça serait le mot confiance. Je pense que c'est au cœur de tout ça. Et j'espère vraiment, tout à l'heure, qu'ils vont en fait prendre la mesure en fait de l'événement, qu'ils vont rentrer rapidement dedans. Et qui vont se faire confiance, que ce soit en eux ou en leurs coéquipiers. Et je pense que ça sera la clé de tout. Un, deux, trois, vite ! Ça le tremble. C'est ce que je disais à mes coéquipiers, levez la tête, regardez. Surtout, n'y allez pas tête baissée, ne soyez pas timide, sinon vous regretterez plus tard. Regardez tous les visages, tous les gens, criez Vitality, criez votre nom. Ça va être un match de fou, on l'a annoncé comme tel. J'espère vraiment que les deux équipes sont ready. Peut-être le plus serré de tous les quarts de finale. Et on entend les chants évidemment des Golden Hornets, les ultras de Vitality. Attention à la pression que ça va mettre évidemment sur les Français. Ce best of 3, ce troisième quart de finale qui commence à l'instant.
3, 2, 1, 0, le compteur est terminé et c'est parti. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de faire du bruit pour l'équipe Vitality. On commence à renforcer, on a Spark sur Valkyrie, on a Six Peak, un Doc du côté de Zephyr. Sous un Yokai Drone, la Black Eye à l'extérieur de Spark, on va tout de suite se remettre à l'abri. Et l'insertion de Mythicrate avec LM, ce qui va sanctionner Zephyr. Attention le flic et le headshot de la Ki sur Spark, 5v2, d'ores et déjà pour Team Secret. Oh, et puis en plus on le fait sonner forcément, tout pour l'embêter, ça va être extrêmement compliqué. Qui conclut 1-0 pour Team Secret, qui ne laisse aucun doute sur ce premier round. Waouh, 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 c'est allé très très vite. Yokai, il va tomber ce Yokai, on n'a plus de quoi empêcher. Oh, ça manque de bridé sur LM, Zestiz, il s'était loin HP. Mipé tout seul dans le dos, il tombe sous les balles de bridé. Triple kill de bridé pour égaliser du côté des Vitality, un partout. Rafale sur la Ki. Oh, et le joli headshot de Léon Guide. Oh, Léon Guide sur Spark et Bibou. L'insertion sur le bomb site qui est faite, Stiz qui va pas réussir à s'insérer. Bibou, encore une fois, face à Stiz, 3 kills pour Bastien. On est en train de planter, c'est Mipé, le capitaine qui s'en occupe. Spark sur Mipé, mais le revenge instantané de la part de Lucky. 1v2 et Bibou, le 4-ruple kill qui sauve Vitality. 4 balles de match à sauver. C'est une épée de Damoclès qui est lourde au-dessus de la tête de la sélection. Team Vitality. Quand on n'est pas dedans, on le sent, on a les mains moites, on commence à plus transpirer que d'habitude. Et si t'en as un qui passe au travers, qui commence à être stressé, bah ça va stresser l'autre parce qu'il voit que son partenaire. Et c'est un effet boule de neige en fait. Ils sont incapables de rentrer, d'évoluer sur cette carte sans perdre un ou deux joueurs. Tu parlais de la température de la douche tout à l'heure, elle est plus que froide. Rafale qui va tenter mais qui va tomber bien évidemment sous la pluie de balles infligée par Secret. Et le kill ne passera pas et c'est LM qui conclut 4-0 pour Team Secret. C'est le temps de se dire, bah, de réaliser qu'on n'a pas été dans le coup au moment où il fallait. Pour nous, on n'a jamais joué ce match en vrai. On va lui mettre une pression monstrueuse qu'il ne pourra pas contrôler. Attention, on a réussi à se débarrasser de Mipé. 1v2, 1v2 pour Zephyr, le capitaine des Vitality. La deuxième tête qui ne collecte pas. Et la Ki qui envoie Team Secret en demi-finale. 6. Depuis les préparations de la Coupe de France, on s'est préparé pour ce match-là, ce match sur scène au main event, et on n'a pas réussi à faire face et à proposer un jeu. Cette sensation de ne pas avoir tout donné, d'en avoir encore sous le pied, comme on dit, et de se dire, mais en fait, on l'a jamais joué ce match, il va arriver là, on va le jouer bientôt. Mais non, en fait. Rien su faire et c'est vraiment triste parce que dans des matchs comme ça on a envie de tout donner. On a eu un blocage et c'est regrettable, mais bon, c'est ce qui arrive à certains moments. En fait, on n'a jamais le droit de flancher et au moment où on va commencer à baisser le pied, il y a quelqu'un à côté qui lui va être très performant et on va vite te remplacer. On sait qu'on est là sur un laps de temps indéfini mais très court. Moi, je continue ma route, j'ai pas de regrets. Je perdrai jamais ce pied compétitif. Quel que soit le jeu, quelles que soient les couleurs que je représente, quelle que soit l'action que j'entreprends, le compétiteur qui est en moi, il s'appelle Zephyr et il sera toujours présent.